Après les travaux de terrassement et des fondations, il s'agit de mettre en route la construction proprement dite. Oscar, le père Hurlu et le gars Berlu arrivent avec le matériel nécessaire pour établir les échafaudages. Mais il est parfois dangereux de charger les véhicules trop en hauteur et surtout de monter sur le chargement. Enfin, le malheur est réparé et tout est à pied d'œuvre. Maintenant, au travail. Mais gare aux piles mal faites, Oscar! Et attention aux charges trop lourdes posées directement sur le sol. Le père Hurlu dit toujours que construire des échafaudages, c'est pas un travail d'amateur. Nous allons lui montrer que nous pouvons très bien nous tirer d'affaire sans lui. C'est pas sorcier d'attacher des morceaux de bois avec des bouts de ficelle. Les cordages ne sont peut-être pas de bonne qualité. Bon, on fera des nœuds et on mettra des clous. Et voilà le travail. Qu'en dites-vous, père Hurlu, hein? Ça vous laisse un peu rêveur. Vous allez me remonter ça convenablement, en soignant l'alignement des montants, en employant que des longerons et des cordages en bon état, et en vérifiant bien l'écartement des boulins. À la pose du plancher, maintenant. C'est trop fort. Voilà trois fois que je pose une plainte, et trois fois elle disparaît dès que j'ai le dos tourné. Mais attention aux planches qui glissent, parce qu'elles ne dépassent pas assez. Et aux planches en bascule, parce qu'elles dépassent trop, et qu'il n'y a pas de garde-corps en bout. Et alors, pas de garde-corps à la recette non plus, Oscar? Voilà du bon travail. Mais non, pas trois sur la même planche!